ça n'arrête pas. Enfin, adversaire également l'Ukraine qui, elle, n'a pas encore disputé le moindre match de phase finale de Coupe du Monde. Ce sera sa première participation en 2006. Et puis il y aura également l'Arabie Saoudite que l'on retrouvait pour sa première participation en 94 au Mondial américain. L'équipe marocaine qui était sortie d'ailleurs première de son groupe, bousculant tous les pronostics. Un groupe où on retrouvait notamment les Pays-Bas. Cette équipe, l'Arabie Saoudite, qui avait empoché une victoire précieuse face à l'équipe du Maroc. Un but de Sami Al-Jaber pour le 1-0. Les Marocains parviennent tout de même à égaliser dans cette rencontre par Chaouch. Et finalement, dans ce duel, c'est l'Arabie Saoudite qui prend les 3 points de la victoire dans ce match de groupe, avec un dernier but saoudien inscrit par Amin. Les Saoudiens dirigés par un coach brésilien, Jorge Solari, prennent donc une victoire précieuse, une victoire qui sera confirmée d'ailleurs ensuite lors du dernier match de groupe. Ce sera face à la Belgique.